Oui, bonjour, je sais, on ne me voit pas pendant très longtemps et après on me voit beaucoup pendant pas longtemps. Je me demande lequel est le mieux au final et encore heureux que je le sais puisque c'est moi qui fais mes propres vidéos. Encore heureux que je fais pas celle des autres parce qu'ils perdent les trois quarts de leurs abonnés. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que donc dans cette vidéo, je voulais vous parler d'astrologie très brièvement et très rapidement. De ma vision de l'astrologie traditionnelle selon moi, parce que ça fait partie de mon de mes, enfin de oui, mon de métier, je ne sais pas. Je vais donc vous dire pourquoi deux personnes du même signe de naissance sont différentes. Parce que l'astrologie n'existe pas et ne veut rien dire, tout simplement. Non, je rigole, non. Non, mais bon, voilà. Donc, parce que souvent, j'ai entendu, hein, comme tout le monde, oui, bah écoutez, moi je suis balance, ma pote elle est balance, c'est un exemple. Et on ne réagit pas pareil. Mais peut-être que l'astrologie ne se résume pas uniquement au signe solaire. Déjà, vous allez me dire, pour certains, qu'est-ce qu'ils me racontent? Le signe solaire, c'est ton signe de naissance, abruti. Bon, ensuite, vous avez effectivement le signe solaire qui représente la personne elle. Tout simplement, voilà. Ensuite, non, il n'y a pas. Moi, je parle pas de l'ascendant en premier. Non, non, non. Laissez-moi faire les choses dans l'ordre. Le signe lunaire. Le signe lunaire. Donc, on va prendre l'exemple de deux personnes qui sont de la balance. D'ailleurs, j'aime pas, parce que si vous êtes en balance, si vous êtes né en balance, c'est-à-dire que vous avez le soleil en balance. Voilà, quelqu'un qui est taureau, il a le soleil en taureau, hein, tout simplement. Bon, donc votre signe solaire, c'est la balance, j'aime pas, parce que le soleil est extrêmement faible en balance. Oui, en astrologie, bah, les planètes sont considérées comme des planètes. Moi, je crois que je suis pas une planète, je suis carrément un ovni, voilà. Le soleil et la lune sont considérés comme des planètes en astrologie. Le soleil en balance est extrêmement faible, puisqu'en fait, il est en débilité planétaire, hein. Il est en chute, la balance étant opposée au bélier, le soleil étant en exil en bélier, non, je rigole, c'est pas vrai. Le soleil étant en exaltation en bélier, la chute étant opposée à l'exaltation et l'exil à la maîtrise. Donc en fait, eh ben, le soleil se retrouve en chute en balance et c'est pas très bon. C'est bon, j'aime pas. Voilà. Bon. Donc voilà pourquoi de base la balance a certains traits de caractère plutôt retraits, pas les plus imposants. Voilà. Attention. Attention justement, peut-être que quelqu'un qui est balance et qui regarde cette vidéo ne se retrouve pas dans cette description de la balance. Parce que justement, je vais vous l'apprendre et je vais vous apprendre pourquoi. L'astrologie ne fonctionne pas uniquement avec le signe de naissance, c'est parti. Donc je vous disais, il y a le signe de naissance qui s'appelle le signe solaire. Donc ça, c'est ce que vous êtes. Ensuite, il y a le signe lunaire. Le signe lunaire, c'est quoi? C'est ce qui représente la partie de votre fesse et qui va dire à quel âge vous allez avoir du mal à chier. Non, le signe lunaire représente plutôt votre intérieur. Et on en reste aux intestins et à l'anus, non, on représente votre intérieur, vos émotions et ce que vous avez au plus profond de vous. Donc clairement les émotions et la partie de début de vie, la partie de l'enfance, d'accord? Voilà. Donc, voilà ce que c'est le signe lunaire. Et ensuite, il y a l'ascendant qui est la partie du ciel qui est en dessous du soleil au moment de votre naissance. Pourquoi partie du ciel? Parce que bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson sont des constellations des parties du ciel. Voilà. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc si au moment de votre naissance, la partie du ciel qui était en dessous ou qui était à l'est, donc en dessous du soleil ou en tout cas à l'est au moment de votre naissance, c'était le Verseau, bah, vous serez ascendant Verseau par exemple. Si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, c'est pour ça d'ailleurs que les personnes qui sont nées au lever du soleil ont le même soleil et le même signe ascendant. Quelqu'un qui est Verseau, ascendant Verseau, il n'est pas né à 23h, ça n'est pas possible. Pas dans l'astrologie que je connais, que je me suis appris en tout cas, voilà. Donc déjà, deux personnes du même signe de naissance, donc de signe solaire, n'ont pas obligatoirement le même signe lunaire. Pareil pour deux personnes qui sont nées en pleine lune, si vous êtes né en pleine lune, quelqu'un qui est de signe solaire, donc taureau par exemple, j'ai pas envie de lui faire cet honneur-là, 28 avril, et il est forcément, s'il est né en pleine lune, il est forcément de signe lunaire scorpion. Quelqu'un qui est né en nouvelle lune et qui est né sous le soleil solaire en scorpion sera forcément en signe lunaire en scorpion. Bon, donc ensuite, nous avons le signe lunaire et effectivement le signe ascendant. Ascendant, c'est très simple, moi je le rime avec apparence. Ascendance, apparence, donc c'est comment les autres vous voient, votre comportement en société, et c'est aussi votre apparence, tout simplement, votre physique, votre comportement, comment les autres vous voient, et moi je dirais un peu le lien avec la société, mais chacun voit midi, il est midi là, non, bon. Donc, je vous demande un instant, j'ai un message.
D'accord, ok. On m'envoie un message pour me proposer que moi je consulte pour qu'on me raconte des choses, mais sauf que c'est déjà ce que moi je fais. Bon. Donc ensuite, deux personnes du même signe solaire n'ont pas le même signe lunaire, n'ont pas le même ascendant. Voilà. Ensuite, je prends en compte les dominantes. Même quelqu'un qui a le même signe solaire, le même signe ascendant et le même signe lunaire qu'un autre. Moi, par exemple, je suis de la Vierge, signe ascendant Scorpion, signe lunaire Poisson. Ma sœur est de la Vierge, signe lunaire Taureau et signe ascendant. Je crois qu'elle est. Je sais plus si elle est Vierge ascendant Vierge ou Vierge ascendant Lion, ma sœur. Je sais plus. Bah, dans tous les cas. Elle est pas vierge ascendant scorpion comme moi déjà. Vous voyez, on n'a pas le même ascendant et on n'a pas du tout le même signe lunaire. La lune en poisson et la lune en taureau, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Bon. Donc ensuite, quelles sont les dominantes? Donc la planète, la maison, le mode, enfin le mode cardinal décisionnaire mutable, l'hémisphère, qu'on peut appeler aussi le cadran, l'élément et la polarité. Je vais vous les écrire, parce qu'il y en a beaucoup. Mode, élément, pola, maison. Planète, signe. Donc, quelqu'un qui est dans de la balance et une autre personne qui est de la balance n'ont peut-être pas tous les deux le même élément dominant. On va commencer par l'élément, par exemple. Donc, c'est une des six dominantes. La balance est un signe d'élément air. Mais, attention, un balance peut avoir dans son thème astrologique l'élément air dominant, et un balance peut avoir dans son thème astrologique, pardon, un élément eau dominant. Vous allez me dire, bah, ça change quoi? Bah, ça change beaucoup de choses. L'air, c'est l'air, l'eau, c'est l'eau. Ça ne représente pas les mêmes choses dans l'astrologie. Pourtant, ces deux-là sont balance. Ensuite, la polarité masculine, la polarité féminine. Six signes masculins, six signes féminins. Les signes masculins sont les signes d'air et de feu, donc bélier, lion, sagittaire, et donc gémeaux, balance, verseau. Voilà, donc ça, ce sont les signes masculins, signes féminins. Les signes d'eau et de terre, donc taureau, vierge, capricorne. J'ai une préférence pour le taureau non, pour le cap. Quoique en fait, oui, un peu taureau et vierge quand même. Et donc, ensuite, donc taureau, vierge, capricorne et les signes d'eau, cancer, scorpion et bélier. Non, je rigole, cancer, scorpion et poisson, bien évidemment. Bon, donc deux personnes qui sont du même signe solaire, donc toutes les deux balances, n'ont pas spécialement la même polarité. Hein. Un homme peut avoir la polarité féminine dominante et une femme peut avoir la polarité masculine dominante, tout c'est très indépendant de ce que vous appelez sexe ou genre. Voilà, bon, donc ensuite, donc vous voyez déjà, deux personnes qui sont du même signe de naissance n'ont pas déjà obligatoirement le même élément dominant et la même polarité. Une personne qui est balance, une autre personne qui est balance n'ont pas obligatoirement la même planète dominante. Attention, vous allez me dire, mais oui, mais si, ça change pas que c'est Vénus qui dirige la balance. Oui, mais attention, la planète solaire et la planète dominante ne sont pas la même chose. Deux personnes qui sont du même signe de naissance n'ont pas la même planète dominante. Je suis de la Vierge. Mercure est la planète qui gouverne mon signe solaire. Ce n'est pas Mercure qui domine mon thème astrologique, c'est Pluton, ma planète dominante. J'en suis bien content d'ailleurs. C'est Pluton, ma planète dominante, et je suis avec un Pluton dominant à plus de 30%, ce qui n'est pas le cas de tous les Vierges. Donc, vous voyez, ce n'est pas le cas pour ma sœur. Elle n'a pas le Pluton dominant. Voilà. Et pourtant, elle est de la Vierge comme moi, 18 septembre, 20 septembre. Bon. Donc, le Soleil dans un signe vient simplement donner un sens général, c'est le squelette, et ça vient donner une grande éclaircie, donc ça vient donner des bases de ce signe-là qui sont augmenté ou diminué par les dominances, donc on vient de le voir, l'élément, la polarité, c'est la polarité que je vous ai dit, ouais. Ensuite, la planète, voilà. Ensuite, je peux être de la balance, tu peux être de la balance. Non, on va changer un petit peu. Je peux être mon signe préféré. Je peux être du cancer, tu es du cancer. Oui, d'accord, ça marche. Ok, on est différent, oui. Parce que le cancer est votre signe solaire, mais il n'est pas obligatoirement le signe le plus important chez vous, ni le signe pour lequel vous avez le plus de traits de caractère, ou de ressemblance. Pourquoi? Parce que votre signe solaire n'est pas obligatoirement votre signe dominant. Voilà. Moi, j'interprète en premier le signe dominant. Par exemple, mon signe de naissance, c'est la Vierge, mais il n'est pas mon signe dominant. Je suis Vierge à entre 13 et 16%, si vous saviez. Et je suis du Scorpion à plus de 30, 35%. Donc mon signe dominant est le Scorpion. Et ensuite, mes deux signes secondaires sont la Vierge et le Capricorne.
qui peut peut-être s'expliquer d'ailleurs par mon soleil en maison 10, mais ça on y viendra plus tard. Bon. Donc c'était Modre, hémisphère et signe. Ok. Donc votre signe de naissance n'est pas obligatoirement votre signe dominant. Donc élément, polarité. Qu'est-ce que j'avais parlé? Oui, de planète, élément. Je vous ai bien expliqué l'élément. Polarité, planète, signe. Là, j'étais sur le signe ou sur la planète? Peu importe. Donc, je crois que j'étais sur le signe. Votre signe de naissance n'est pas obligatoirement le signe le plus important chez vous. Voilà. Votre signe de naissance peut être votre signe dominant, mais il peut ne pas être votre signe dominant aussi. Donc, vous voyez, hein, ça fait déjà beaucoup de différence quand même. Hein. On est tous les deux du même signe, mais on n'a pas la même planète dominante. On n'a pas le même signe dominant. On n'a pas la même maison dominante. On n'a pas... Enfin, toutes les dominantes que j'ai citées, que je n'ai pas encore citées. Donc, on n'a déjà pas le même élément dominant. On n'a déjà pas la même planète dominante. On n'a déjà pas la même polarité dominante. Et on n'a déjà pas le même signe dominant. Bon, voilà. Je vais parler de la maison, parce que je viens d'y penser. Bon. Il y a 12 maisons en astrologie comme 12 signes. Votre soleil, donc, qui est dans un signe. Oui, vous voyez, j'ai pas des cheveux, mais j'ai des cheveux. Vous avez... J'ai de l'intelligence qui dépasse, c'est pour ça. Donc, oui, je me considère plus intelligent que d'autres. Et alors, ça vous pose un problème? Bon. Donc, votre soleil dans l'astrologie, donc le soleil sur votre thème astrologique, il est dans un signe, mais il est aussi dans une maison. Il n'est pas plus dans un signe que dans une maison, il est dans les deux, voilà. Et il y a 12 maisons comme 12 signes. Donc, chaque signe est attrayé à une maison. Par exemple, la maison 6, maison de la santé, maison du travail et de la vie de tous les jours, vie quotidienne. Bon, donc, vous pouvez être du cancer et ton meilleur pote du cancer, sauf que toi, dans ton thème astrologique, la maison la plus importante et la dominante, la maison dominante de ton thème, ça peut être la maison 8 et lui la maison 4. Ah oui, vous êtes du même signe, mais alors par contre, ça change beaucoup de choses. La maison 4, c'est la maison 4, la maison 8, c'est la maison 8. Pourtant, ça reste le signe du cancer solaire vous concernant. Solaire étant de naissance, dans cet exemple-là. Pareil, si lui c'est la 4, toi c'est la 8, ou vice-versa. C'est votre maison dominante, mais votre maison dominante n'est pas obligatoirement votre maison solaire. Le soleil est en cancer dans ton thème astrologique, parce que tu es né, par exemple, le 7 juillet. Le soleil est en cancer dans son thème astrologique, parce que, par exemple, il est né le 14 juillet. Mais est-ce que le soleil est dans la même maison? Est-ce que les énergies du cancer vont se déployer dans le même secteur de vie? Peut-être pas spécialement. Donc, il y en a tellement des demandes. Je relis à chaque fois celle que je vous ai dit. Élément, polarité, signe, maison. Ces quatre choses-là sont des dominantes qui peuvent être différentes, même pour deux personnes du même signe. Voilà pourquoi on est différent quand on est du même signe. Donc, la maison dominante, je viens d'en parler. Il reste le mode et les hémisphères. Donc, le mode... En astrologie, il y a des modes que je ne connais pas, c'est une chose que je maîtrise pas, non je rigole, c'est pas vrai. Il y a trois modes, il y a le mode mutable, il y a quatre signes de mode mutable, Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson. Il y a quatre signes de mode cardinal ou décisionnaire, Bélier, Cancer, Gémeaux, non c'est pas vrai, hein. Bélier, Cancer, Capricorne. Bélier, Balance, Cancer, Capricorne. Voilà, parce qu'on peut les citer dans n'importe quel ordre. Bélier, Balance, Cancer, Capricorne. Donc, ce sont quatre signes de mode cardinal ou décisionnaire. Et donc, il reste les signes de mode jetable. Non, je rigole, les signes de mode fixe. Donc, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau. Voilà. Donc, si vous êtes un Taureau, vous êtes un Soleil en mode. Un Soleil d'un signe en mode fixe. D'accord, c'est bien. Mais ce n'est peut-être pas le mode le plus important chez vous. Le mode fixe parle de certaines choses, le mode mutable et concerne certaines choses, et le mode cardinal ou décisionnaire, qui est la même chose, mais on peut l'appeler avec des appellations, concerne une chose encore différente. Voilà. Le mode mutable, selon moi, c'est les changements, la transformation. Le mode fixe a besoin de stabilité, de sécurité, mais quand même appelé à une stabilité, une sécurité. J'attends de ces signes-là une certaine fermeté, notamment celui de terre. Pour moi, le mode cardinal décisionnaire, c'est un point de vue, une analyse stricto sensu personnelle et strictement et éminemment personnelle, me fait penser à une élévation, un besoin d'évolution ou de progression. Voilà. Contrairement pour moi au mode mutable qui n'a que faire de l'évolution et qui est plutôt dans ce besoin de changement et de progression. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai du mal dans le sens global au Gémeaux, qui est déjà un signe d'air qui n'est pas du tout en énergie adéquate avec mon thème astrologique. Et qui est un signe de mode mutable. Donc, mais là je suis en train de m'éloigner du sujet principal.
Oui, je postillonne beaucoup. Si je vois des gens, ça me fait baver. J'ai envie de manger leurs fesses, surtout les garçons. Du coup, j'adore ça en plus. Du coup, donc, deux personnes en astrologie qui ont le même signe sont différentes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le même signe dominant. Parce qu'elles n'ont pas, je vais l'écrire vraiment proprement, hein, parce qu'elles n'ont pas le même signe. J'écris très mal. Parce qu'elles n'ont pas, toujours pas, parce qu'elles n'ont pas, toujours pas, parce qu'elles n'ont pas le même signe dominant, parce qu'elles n'ont pas le même mode dominant, parce qu'elles n'ont pas la même planète dominante, parce qu'elles n'ont pas la même maison dominante, parce qu'elles n'ont pas le même hémisphère dominant, parce qu'elles n'ont pas la même polarité dominante et parce qu'elles n'ont pas... Est-ce que je l'ai écrit planète? Signe, mode, maison et éléments. Voilà, éléments, je vous l'avais cité en premier tout à l'heure. Donc on en termine par les quadrants hémisphères. En astrologie, il y a quatre hémisphères: bleu, rouge, vert, jaune. Non, c'est pas vrai. Nord, sud, ouest, est. Voilà, donc selon à quel moment ou à quel endroit votre thème astrologique démarre, effectivement, bah, le mode sud, le mode est, le mode ouest, le mode va se trouver dans différents signes. Voilà. Je me rappelle même plus de mon mode dominant. Je vous avoue que c'est une dominante qui m'intéresse moins, même si elle est importante, comme toutes les autres dominantes. Je suis de la Vierge solaire, exemple. Je peux avoir le mode ouest dominant. Quelqu'un de la Vierge peut avoir le mode sud dominant. Enfin, pas le mode, pardon, le cadran ou l'hémisphère sud dominant et moi le mode ouest. Et du coup, on ne sera pas du même bord. Non, on sera tout simplement pas pareil. Voilà, parce que ça aussi c'est une dominante et chaque dominante a forcément son interprétation. Donc du coup, là, vous voyez, là, du coup l'astrologie ça devient complexe. Et si ça s'arrêtait là, par exemple, j'ai le même mode dominant, le même élément, la même planète, la même polarité, le même signe, la même maison et le même hémisphère dominant qu'un autre du même signe que moi. Ah ben, je lui souhaite bonne chance, moi je souhaite bonne chance à son entourage. Hein. Bon, donc, on n'a pas les mêmes aspects, voilà. En plus de ça, il y a maintenant les planètes entre elles. Il y a des aspects, donc en fait, dans un thème astrologique, une planète vient dire quelque chose dans un signe et dans une maison, mais selon ses aspects et sa position avec les autres planètes, c'est-à-dire à combien de degrés elles sont d'écart, quels sont les aspects des planètes entre elles, on vient d'apprendre encore plus sur la personne. Il y a des aspects comme les quinconces, comme les oppositions, comme les, je sais pas moi, les carrés, les trigones, les conjonctions, les novilles ou les neuvilles, les quintiles, les biquintiles, les sextiles, les semi-sextiles, vous voyez ce que j'ai, il y en a plein d'autres. Bon. Donc, je sais pas moi, une personne de la Vierge qui a une opposition Mars Uranus comme moi et une personne de la Vierge qui n'a pas cette opposition, qui d'ailleurs n'a pas d'aspect entre cette planète et qui a une opposition Mars Lune, une personne de la Vierge qui a une opposition comme moi Soleil Lune, donc née en pleine Lune, je vous laisse deviner du coup mon signe lunaire si vous avez compris. Peut-être que celui qui arrive à le deviner, c'est peut-être à lui que j'interpréterai son thème astrologique dans la vidéo, donc parmi les commentaires. Donc, je n'ai peut-être pas le même comportement que la Vierge qui a un soleil carré-lune ou tout simplement qui n'a pas d'aspect soleil-lune. Je sais pas moi, une conjonction Mercure-Vénus, peut-être que toutes les Vierges ne les ont pas, voilà, d'ailleurs je ne l'ai pas non plus, mais c'est un exemple. Peut-être que je m'exprime pas de la même manière en société et peut-être que je n'ai pas la même manière de m'exprimer à la foule, à mon entourage et ce besoin de dialoguer avec mes amis que d'autres Vierges parce que j'ai le Mercure en maison, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Voilà, ce besoin d'être le conciliateur, d'aimer l'arbitrage ou d'aimer, pas le et en même temps, mais de prendre des décisions qui peuvent satisfaire les deux parties. Peut-être que toutes les vierges ne sont pas comme ça de par le Mercure en balance que je possède. Voilà. Bien évidemment, un vierge n'a que trois possibilités de Mercure. Le Mercure en scorpion, non, c'est pas vrai. Le Mercure en Vénus, en Lion, le Mercure en Vénus. Le Mercure en Lion, en Vénus, le Mercure en Lion, en Vierge ou en balance. Effectivement, il n'y a pas plus qu'un semi-sextile entre Mercure et Vénus, il ne peut pas y avoir entre Mercure et Soleil, il ne peut pas y avoir un sextile Mercure Soleil, donc il ne peut pas y avoir un Mercure en Scorpion en sextile parfait, donc avec une orbe parfaite pour faire un sextile pour un Soleil en Vierge. Par exemple, il ne peut pas y avoir donc en gros 60 degrés d'écart qui correspond à un sextile entre un Mercure et un Soleil. Voilà, donc j'interpréterai le thème astrologique d'une personne qui commentera cette vidéo et que j'ai envie d'interpréter. Je vous remercie.